Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà le 17 mars. N'abandonnez pas. Lisons 2 Pierre 1, les versets 5 à 11. 2 Pierre 1, les versets 5 à 11. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science à la tempérance la patience à la piété l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, et il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Proportionnons nos efforts, notre abnégation et notre persévérance à la valeur infinie de l'objet que nous poursuivons. Ce n'est qu'en remportant la victoire comme le Christ que nous pourrons gagner la couronne de vie. Le plus grand danger auquel l'homme puisse être exposé, c'est de méconnaître son véritable état spirituel. La suffisance et la séparation d'avec Dieu, l'unique source de sa force. Cependant, parmi ceux qui s'efforcent de gravir les degrés de la perfection chrétienne, certains commencent par placer leur confiance dans le pouvoir de l'homme. Ainsi, ils perdent bientôt de vue Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Et ils échouent dans leurs entreprises frustrés de tout ce qu'ils avaient gagné. Quelle est triste la condition de ceux qui, lassés par les difficultés de la route, permettent à l'ennemi des âmes de leur ravir les grâces spirituelles qui s'étaient développées en eux. Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, déclare l'apôtre, et il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Où que nous soyons, nous subirons des épreuves. Mais si nous cédons aux suggestions de l'ennemi, nous perdrons la bataille. Pouvons-nous nous permettre de céder au grand tentateur? Oh non! Nous devons chercher aide et délivrance auprès de celui qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, mais plus encore pour l'espérance d'un héritage éternel réservé pour ceux qui, par la puissance de Dieu, sont gardés par la foi pour le salut. Cette sanctification de l'Église est le but que Dieu se propose dans tous ses rapports avec son peuple. Du sein de l'éternité, il a choisi ses enfants pour qu'ils soient saints. Il a donné son Fils afin qu'ils meurent pour eux et que, dépouillés de toute leur mesquinerie, ils puissent être sanctifiés en obéissant à la vérité. Il réclame en retour une œuvre, un renoncement personnel. Dieu ne peut être honoré par ceux qui professent croire en lui que dans la mesure où il reflète son image et se laisse diriger par son esprit. Alors, comme témoins de leur Sauveur, ils feront connaître ce que la grâce divine a fait pour eux. Remue-ménage, nommez une chose à laquelle vous accordez suffisamment de valeur pour la poursuivre sans relâche. La couronne de vie vaut-elle davantage que cette chose pour vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.